Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui présente les types de ressources utiles pour trouver des données probantes évaluées. Ces ressources sont abordées en tenant compte de leur utilité en contexte de soins, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients et leurs proches. Nous commencerons avec la pyramide des données probantes évaluées, qui vous donnera une vue d'ensemble des types de sources de données probantes. Nous verrons ensuite un ou deux exemples pour chaque type de ressources, en commençant par les résumés cliniques, puis les synthèses des connaissances, et nous terminerons par les études scientifiques individuelles évaluées ou filtrées. La pyramide des ressources évaluées est souvent utilisée pour présenter la liste des sources de données probantes disponibles via une bibliothèque. Vous pouvez consulter à cet effet le guide pratique factuelle en santé des bibliothèques de l'Université de Montréal. La pyramide propose les ressources selon leur degré de synthèse et plus on descend les étages, moins l'information est rapidement utilisable en contexte de soins car elle sera sous une forme moins synthétisée. Débuterons le tour d'horizon par le haut de la pyramide avec les résumés cliniques. Donc, vous remarquerez que je saute le premier étage de la pyramide, les systèmes intégrés. Donc, les données factuelles directement intégrées au dossier patient, c'est encore en développement. Nous allons prendre comme point de départ la question clinique utilisée dans la capsule PICO. Cette question se lit comme suit. Chez un patient de 32 ans avec un diabète de type 2 sans traitement par l'insuline, est-ce nécessaire de faire une autosurveillance glycémique quotidienne comparativement à ne pas en faire afin de bien gérer sa médication et ses habitudes de vie ou de vérifier leurs effets sur le contrôle du diabète? De ce PICO, on a identifié les mots-clés les plus pertinents qui sont diabète de type 2, adulte et autosurveillance. Donc, à chercher en français ou en anglais selon la ressource utilisée. On commence avec les résumés cliniques. Les résumés cliniques sont des outils d'aide au diagnostic et au choix d'intervention qui ont l'avantage de pouvoir répondre très rapidement à vos questions et de fournir des recommandations claires pour une multitude de questions se présentant en contexte de soins. Ces outils existent comme base de données accessible à distance, mais aussi sous forme d'applications autonomes. Une fois installés sur votre appareil, ils ne nécessiteront une connexion réseau que pour faire périodiquement la mise à jour des données. L'information y est regroupée par discipline, par condition médicale, et on peut y faire des recherches très précises avec la clé de recherche. Ces outils sont en anglais, sont conçus pour les professionnels de la santé et offrent peu ou pas de contenu gratuit, ce qui en restreint l'accès pour les patients. Les trois principaux outils de ce type sont BMG Best Practice, UpToDate et DynaMed. L'Université de Montréal a un abonnement à BMG Best Practice que nous allons utiliser comme exemple. Le classement du BMG Best Practice regroupe les sujets sous une trentaine de spécialités. Cependant, le plus rapide pour trouver de l'information sur l'autosurveillance du diabète de type 2 sera avec la clé de recherche. J'y ai entré simplement « Diabetes, Adults et Self-Monitoring ». BMG Best Practice m'a proposé la section « Monitoring » du sujet « Type 2 Diabetes in Adults » et nous y trouverons le sujet de l'autosurveillance glycémique traité dans un texte clair de quelques lignes, appuyé par trois références. Ainsi, les résumés cliniques s'appuient sur des documents de synthèse des connaissances plus détaillés, tels que les guides de pratique clinique, les revues systématiques ou encore des études scientifiques telles que les essais cliniques randomisés ou les études de cohorte. Donc, le deuxième type de document, les synthèses des connaissances. Elles ont toutes pour but d'analyser les données probantes de la littérature pour une question très spécifique. Ces documents s'adressent toujours aux professionnels de la santé, mais ont parfois aussi un deuxième public cible, que ce soit les décideurs des politiques publiques, les patients ou encore les chercheurs. Ces documents vont généralement plus en profondeur que les résumés cliniques. Ils sont cependant aussi utilisables en contexte de soins car les recommandations seront clairement identifiées dans le texte ou même résumées dans de courts documents d'accompagnement produits séparément. Ils sont souvent en libre accès et disponibles en français et en anglais. Les synthèses de connaissances portent différents noms
On y retrouvera des guides de pratique clinique, des guides d'information pour les patients, des évaluations des technologies et des modes d'intervention en santé, communément appelés des ETMI, ainsi que des revues systématiques. Nous allons voir un exemple de chacun. Donc, les guides de pratique clinique. Beaucoup de guides de pratique canadiens sont indexés dans l'infobanque des GPC. Ces guides sont produits par des organisations qui font autorité en médecine ou en santé au Canada. En plus des données de la littérature, les guides tiennent compte du contexte et des opinions d'experts, ceux-ci incluant de plus en plus souvent des patients experts de leur maladie. Cet apport du contexte et des experts fait en sorte que les recommandations peuvent varier d'un pays à un autre. Les guides peuvent aussi être repérés sur le site web d'organisations reconnues qui les produisent, nous permettant ainsi de voir si un guide d'information pour les patients a aussi été produit. Dans l'infobanque, notre recherche sur l'autosurveillance de la glycémie a repéré trois guides en français. Le premier est produit par le Collège des médecins de famille du Canada pour la campagne « Choisir avec soin ». Ça tombe bien car je sais que « Choisir avec soin » produit aussi des guides pour les patients, en fait principalement des guides pour les patients. Donc, on va aller voir sur le site web de la campagne pour repérer un de ces guides. Donc, la campagne Choisir avec soin vise la réduction des examens et des traitements jugés inutiles en santé. Chaque sujet abordé est traité dans un guide pour les patients et un guide pour les professionnels de la santé. Donc, il s'agit d'une excellente source d'information pour les patients basée sur des données probantes. À noter que nous avons vu dans la capsule d'introduction à la pratique factuelle une autre excellente source d'information pour les patients, les boîtes à décision de l'Université Laval. Donc, généralement, les guides d'information pour les patients doivent être rédigés en langage clair et considérer le patient et ses proches comme des partenaires de soins actifs dans les prises de décision. L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec, ou INES, produit plusieurs types de synthèses et connaissances, dont des guides de pratique, on vient de voir un exemple à partir de l'infobanque, et des évaluations des technologies et des modes d'intervention en santé. Les ETMI sont rédigés principalement pour les décideurs des politiques publiques, mais contiennent aussi des recommandations pour les professionnels de la santé. Idéalement, comme ces documents sont assez longs, une ETMI mènera à la création d'un guide de pratique, comme c'est le cas dans l'exemple ici. Donc, on termine la section des synthèses et connaissances avec les revues systématiques. Les revues systématiques font une synthèse très complète des connaissances à partir d'une recension et une évaluation des études primaires, donc les études scientifiques primaires, des données et des résultats de recherche sur une question précise. Elles sont plus internationales que les guides de pratique et les ETMI, car elles ne se collent pas à un contexte précis qui peut changer d'un pays à un autre. De ce fait, elles sont très souvent utilisées comme référence dans les guides et les résumés cliniques. Les revues systématiques peuvent être repérées dans les bases de données d'articles scientifiques tels que PubMed ou CINAHD. L'exemple ici, Cochrane Database of Systematic Reviews, est une source de revues systématiques de grande qualité. Les résumés disponibles en plusieurs langues sont en libre accès. Les revues complètes sont en libre accès 12 mois après leur publication. En général, donc, les revues systématiques sont rédigées pour les professionnels de la santé et pour les chercheurs. Dans le cas de Cochrane, on a aussi un résumé en langage clair pour les patients. Les études scientifiques visent à faire avancer les connaissances. Très souvent, les conclusions de ces études ne sont pas applicables en contexte de soins. Il faudra généralement attendre les recommandations cliniques dans les documents conçus pour la pratique. Nous avons vu que l'autosurveillance glycémique pour le diabète de type 2 est très bien couverte dans les ressources pour les cliniciens, les décideurs en santé publique et les patients. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'aller chercher des études scientifiques sur ce sujet. Cependant, il peut arriver que des questions plus rares se présentent et nécessitent une recherche dans les études scientifiques. On priorisera alors les études évaluées pour la pertinence des résultats pour les patients, ou les études avec un niveau de preuve évalué. Les études scientifiques sont pour la plupart en libre accès 12 mois après leur publication. La langue de publication variera, mais la majorité des études sont publiées en anglais. Donc, on va maintenant voir un exemple d'études évaluées et un exemple d'études avec un niveau de preuve élevé.
Donc, les études évaluées se retrouvent dans différentes petites revues. Ici, on a la revue belge Minerva qui a l'avantage de produire des évaluations en français. Donc, elle est en libre accès et ils vont évaluer des études scientifiques qui sont d'intérêt pour la pratique clinique. On va aussi retrouver une référence vers l'article d'origine, donc qu'on pourrait consulter pour obtenir tous les détails de la recherche. Donc, on termine avec les études filtrées. Si vous n'avez trouvé réponse à votre question dans aucune des ressources précédentes, il vous reste à consulter des études scientifiques en tant que telles. Par exemple, je pourrais m'intéresser aux études qui se sont penchées sur le fonctionnement de la décision partagée entre les professionnels de la santé en première ligne et le patient avec un diabète de type 2. Donc, j'aimerais une étude où on retrouve un groupe de patients qui a participé à un programme visant à améliorer la décision partagée et un autre groupe qui n'a pas fait partie de ce programme. Donc, c'est d'un grand intérêt clinique pour moi, mais je veux vraiment des recherches à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas quelque chose que je consulterais vraiment quand je suis avec un patient, mais ça va avoir un impact sur ma pratique. Donc, je peux faire une recherche dans une base de données telle que PubMed, est limité aux essais cliniques randomisés. Donc, dans votre cas, quand vous repérez des études scientifiques non évaluées pour le contexte clinique, il vous faudra évaluer vous-même la qualité de l'étude. Donc, si encore là, ça ne se fait pas directement en contexte clinique. Donc, on termine ici. C'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve à la prochaine capsule qui présentera les données probantes dans PubMed.